mettrai après parce que sinon ça va faire du bronze. C'est pas que j'aime pas le bronze, mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne nous berneras pas. What? Essaie de deviner la capitale de la Suisse. Bah, Genève, je crois. Ah oui, Gold et Silver font Electrum. Oh, merci de m'avoir dit, sinon j'aurais. J'aurais derpé. Mais bon, de toute façon, j'ai pas mis. Ouais, heureusement que j'ai pas mis. Ça aurait été gênant. Même si Electrum, ça peut être utile. Enfin. Ça me sera utile. Capitale de la Suisse. Quoi? Bah c'est pas ça. C'est pas Genève? Non, Ah, c'est à Berne. je suis pas très bon. Ah, il m'a berné là. Je suis pas très bon en géographie. Non, mais c'est. Je sais pas. Ok. Ok, c'est bon, hein. Non, mais oh. Que penses-tu du contexte géopolitique du Togo oriental? Bah, je pense que très clairement, si step up pas leur exportation. De fruits boisés, ils vont risquer de descendre en dessous du seuil de régression linéaire. C'est bon? Steven a un skin chelou. Non! Il est pas un skin chelou. Ah, par contre, c'est pas le team que je veux. Ah, bah tiens, ça va me permettre de vous introduire un autre mode qui s'appelle Hard Dictionary Converter. Je vais prendre le automatique. Il me faut ça. Un cobble. Du fer, du fer, du fer. Donc ça va permettre de. Comment? Pas traduire, mais transformer. Mes lingots et tout suivant leur type de dans le Word Dictionary. Je crois que c'était que 3 fers. Ah non, c'est bien 4 fers et 3 cobbles. Ok. 1, 2, 3, 4. Comme ceci. Et donc ça, c'est très utile. Je vais le mettre ici. Parce que en gros, je place ça là. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, il me faut un lingot du type que je veux. Donc, moi, je veux les types Thermal Expansion, par exemple. Donc, c'est surtout Copper et Tin qui vont être importants ici. Donc, je les place ici. Et du coup, tout le Tin, ouais, tout le Tin que je mets ici sera converti en la version Thermal Expansion. C'est très pratique quand il y en a plusieurs types. Que portes-tu de la vectorisation informatique? D'accord. Non, j'ai pas Manufacturing Reloaded. Quelques heures avant, oui, je peux. Bon, là, j'ai fait une demi-heure avant. Ce que je veux faire, je peux en faire une heure avant, un truc comme ça. Mais souvent, en fait, je décide un peu au dernier moment quand je fais des lives. Donc, c'est jamais trop. Voilà. Je vais faire un timer. C'est tout? Tout ce qu'il faut pour faire un timer? Pourquoi pas, hein? Je vais pas me plaindre. Donc, 3 redstone. Un fer. Et un bâton de bois. Hop. Quoique je suis con, parce que de toute façon, il faudra quand même que je vienne pour. Capitale de l'Australie. Non mais je sens qu'il y a un piège là aussi. Alors je sais que c'est pas Sydney. À moins que ça se trouve c'est Sydney et c'est ça le piège. Non non c'est pas Sydney. Je sais plus le nom. Ah et puis zut.
Je comprends pas pourquoi le deuxième se lance avant que le y ait un tick. Vous voyez? Bon là il s'est pas lancé parce que c'était fini mais. Regardez. Hop, l'autre se lance avant qu'il y ait un tick. Canberra, oui. Bon, au moins j'ai su que c'était pas Sydney. Bah le timer ça m'évite d'appuyer sur ça, mais en fait ça sert à rien parce que j'ai oublié que ça serait là. Donc en fait il me faudrait un hopper en dessous pour récupérer ceux qui tombent. Donc en fait il sert à rien. À part faire du bruit. Allez, on va le faire faire du bruit. C'est bien, hein? C'est bien, hein? Attendez, j'ai une meilleure idée. J'ai une super idée. Pour griffer. Vous entendez? désolé. Non, je suis pas désolé, en fait, c'est rigolo. Enfin, moi, je trouve ça rigolo. Fendi utilise Google. Bon, le temps que ça cuise, je reviens tout de suite. Je vais fermer mon rideau pour pas que les gens ils me voient dehors parce qu'il fait nuit et sinon ils me voient, ils me disent coucou, c'est bizarre. À tout de suite. Hop, me revoilà. Voilà, c'est tout. Alors, comment ça se passe ici? Bien, tout est fondu. Oh, il y a un petit lag, j'ai cru que ça allait planter. Regarde ton corps et dis-moi ce qui est obscur. What? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu parles à Skryzer. Ouf! Je me disais, qu'est-ce qu'il raconte? Donc maintenant, l'objectif, ça va être d'avoir des diamants pour pouvoir faire une turtle. Enfin, une turtle. Turtle. Mine turtle! Etc. Si j'enlevais ça, c'est que je vais aller le remplir. Le remplir. C'est tout. Tout ce que je voulais dire. Est-ce que je mine avec le marteau ou pas? Ouais, allez, je peux aller miner un peu avec le marteau, juste pour le fun. Capitale de Minecraft? Redwood. De décalage, je sais pas, doit y avoir une quinzaine de secondes peut-être? Je suis pas sûr. Bon, j'ai préparé mes outils avant d'aller miner. C'est con parce que j'ai ça, mais j'ai pas encore fait d'outils avec. Mais ouais, en fait, il me faudrait d'abord d'obsidienne pour pouvoir faire les moules. À moins que. Il y a besoin d'obsidienne? Ça y est, je me rappelle plus. D'ailleurs, je devais aller mettre ça là-bas. Tous les bouquins. Où est-ce que je les mets?
Non, pas ici. Ah! Reviens ici, toi. Mettre là plutôt. On peut placer les bouquins. Oups. On peut les placer les bouquins comme ceci. Ce qui est assez funky. Hop, hop, hop. Steven, tu pourrais aller sur un serveur mini-jeu. Le problème des serveurs, c'est que. J'ai 21 ans, Maxime. Le problème des serveurs, c'est que comme je stream en même temps, j'ai une mauvaise connexion. Donc, j'évite de faire des jeux. Enfin, des trucs qui requièrent une connexion descendante. Du coup, moi, je cherchais. Hop. Je cherchais ce qu'il fallait pour faire les moules. Ah d'accord, c'est 3 lumières, un copper. Donc en fait, j'ai pas besoin d'obsidienne, je suis con. Mais de toute façon, j'en aurais besoin ici pour la lumite. Vieux moins 20. Ok. Si tu veux. Ça veut dire que l'année prochaine, je serai considéré vieux, c'est ça? Il faudrait aussi de la bouffe. Qu'est-ce que j'ai comme bouffe qui est bien? Qu'est-ce que je peux en faire de ça? Et j'ai pas envie de me. Ah, une tarte aux pommes! Faut du sucre. De la dough. De la pâte, ouais, c'est ça? Ouais. Baked ham. Pourquoi pour faire du jambon comme ça, il me faut des pommes? Oui, je suis jeune. Oui, tu croyais que j'étais vieux? Salade de fruits. Moi, bon, il n'y a rien de très très génial. Je vais voir ce que j'ai comme sucre. Et si j'ai assez de sucre, on va faire de la tarte aux pommes. 16 ans, enchanté. Faut On fout avoir de la du. tarte aux pommes, on veut des sushis. Mais oui, mais ça va être une usine automatique, donc il me faut plein d'infrastructures avant. Il faut que je puisse crafter des gates et tout. Pour avoir du cobalt, tu peux utiliser du steel au lieu d'alimite. Ouais, mais j'ai pas d'acier non plus pour l'instant. Alors, du coup, apple pie. Alors, pour faire de la pâte, il faut de la farine, du sel, de la fresh water. Donc, il me faut ça déjà. Allez, on va commencer à cuisiner. Alors, il faut un mixing bowl. Alors, je sais que ça c'est facile à avoir, il suffit juste d'avoir un seau, d'aller chercher de l'eau. Je vais en faire un peu plus d'ailleurs. Hop, et de 1 et de 2, ça me fait 8 machins d'eau. Farine, il me faut un mortier. Il faut que je cuise. Oups! Faut que je cuise un peu de stone. On aura un facecam, une facecam un jour. Demande un number. Le style est plus simple à faire. Non, non. Dans Tiny Castle Truc, pour faire du style, il faut faire fondre des armures en côte de maille que tu récupères sur les. Des mobs, j'allais dire. Des mobs, voilà. Donc c'est pas facile. Et sinon, il faut passer par Railcraft. Donc il faut un Blast Furnace et tout. Et je suis pas encore prêt d'avoir ça. Hop. Donc j'ai ça. Voilà, le mortar and pestle. C'est quoi en français? Mortier, ouais. Ensuite pour le sel, je crois que j'en ai, mais je peux aussi en faire avec un pot. C'est une casserole, je crois. Et il me faut plus d'eau. Cool! 42? Quoi 42?
Je peux finir la webcam, ok. Alors, j'ai de l'eau, j'ai du sel, il faut de la farine. 1, 3, 4, 5. Voilà la farine qu'on mélange avec de l'eau, du sel, et tout dans un bol. On a de la pâte, ça cool. Ensuite, sucre, bakeware, c'est quoi? What? Sérieusement? Tant que ça. Hop, 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 et regardez, même pas besoin de faire cuire, on a une tarte aux pommes. Magnifique. Doctorat, il veut te payer pour voir ta tête. Quoi? Si je comprends bien, Doctorat, il veut payer pour voir ta tête. Il Je semblerait que c'est ce qu'il propose. crois que Twitch serait pas très content. Mais je suis pas Oh. sûr. Donc chut. Si on parle comme ça, ils entendront pas. D'accord, alors on parle comme ça. Ok, qu'est-ce qu'il me fallait? Il me fallait une autre pioche. Bon, je sais que ça va être un peu rébarbatif, mais on va les miner un petit peu parce que bah, c'est nécessaire. Quand je dis rébarbatif, j'entends très chiant. Mais c'est rigolo de miner, Mais voilà. oui, c'est rigolo. À plus tard, mon chou. Qui t'a dit à plus tard? Ah, Number. Number Record. Parce que je me disais, le mon chou, ça peut pas être à n'importe qui. Mais je voyais pas qui partait. Et j'ai encore oublié les escaliers pour ici. Bon, je prendrai la prochaine fois. Alors, je suis. Ah, cool. Juste quand je regarde mon nombre de frames droppés, je commence à en dropper. Super. Je suis qu'à 1,24% de frames droppés, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, je veux dire, c'est plutôt correct. Fuck off! C'est bon, c'est. Fuck! Oh putain, t'es sérieux? Je Oui, on a un décalage. Oh là là! Oh! Oh putain, t'es trop con! Magnifique! Vraiment magnifique! Merci, merci, merci. Là là là, j'ai honte. Il faut encore du truc. Oui, les tartes sont sauvées, oui. Les bonnes tartes aux pommes. Oh, j'espère que mon marteau a pas été brûlé. Qu'est-ce qu'on rigole? Généralement, c'est le moment où je rage quitte. Mais pas là! Oh, le marteau, il a pas cramé! Oh, regardez-moi, il était sur un huitième de bloc. Merci, marteau. Enfin, merci. C'est bien, quoi. Bon, maintenant, je vais être intelligent, je vais me mettre sur un bloc. Et je vais pas appuyer sur Shift. J'ai perdu mon t-shirt, ok. J'ai. Oh! Moi j'appelle ça un t-shirt. Comme ça je peux l'enlever et On prend faire le genre. deuxième fail en fait. Non! Ah, mais j'ai plus de trucs. J'ai plus de pioche. De toute façon, le plus important c'est que les tartes. Été sauvé. Ça me semble cohérent. Parce que les tartes aux pommes, c'est la vie. Mais du coup, tu restes à moitié à poil quand même, pas.
Mais t'inquiète, j'allais me rhabiller, je vais remonter après. Donc il lui reste un slip. Marteau will never die! C'est bon. Steven est un boulet. Quoi? Ah, est un boulet, d'accord. Ouais. What? Bon, ça de... What? The fuck? Ne pas appuyer... What? Regardez, je fais ça. Et j'ai l'impression que ça register pas parce que quand je le place là... Ah si, maintenant ça register. Je comprends pas. Non, je joue pas sur Facebook, non. Bon, ça sera suffisant en live. Je vais reboucher ça. Histoire de pas tomber dedans. Hop. Voilà. Du coup, faut que je remonte. Faut que j'aille me chercher du... Ah, du coup, j'en profitais pour mettre des escaliers. Les rillettes, c'est la vie aussi. Les morceaux avec moi, quoi. Oui, les rillettes, c'est la vie. Tout le monde le sait que les rillettes, c'est la vie. Et attention, je vais me motociter. Les rillettes de poulet, c'est un peu comme la confiture de poulet. Ah, oh, merveilleux. De rien. Ça fera 5 euros plus, plus les droits d'auteur. Je crois même que c'est la numéro 2, celle-là. C'est la numéro 2. C'est une vieille. Oui. Waouh, waouh. Tu es toujours en contact avec Jugo? Oui, bien sûr. Il était sur le stream il y a quoi, une heure? Voilà. Voilà les réponses. Alors, il faut un plastron. Il va falloir des torches aussi. C'est quoi des rillettes? T'es sérieux? What the fuck? Des rillettes, c'est la confiture de viande. C'est... Bon voilà, Fancy a envoyé une photo. Oh putain, il y a un King Slime! Attendez, on va se le faire. Je crois que je vais aller détruire l'île dessus de chez moi parce qu'il y a toujours des King Slimes qui spawnent et... Je suis pas super, super fan des King Slimes. En plus, il y a plein de mobs autour. Come here! C'est bien celui-là? Ouais, ça va être celui-là. Du coup, j'ai faim. C'est malin. Ah, il y a plein de chestnuts ici. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a des noix et ça va être des cerises. Ah, des cerises! Attends, King Slime, il y a des cerises. Mange. J'aime tuer des animaux, manger leur bouillie industrielle. Jamais rien ouais, entendu d'aussi beau. Qui ferait clasher. Bref. Les rillettes, c'est toute ma vie. Et lui, il crache dessus. C'est pas très franc. Ah oui, t'es un grand défenseur des rillettes. Hein? Comme. Fendi est une défense. Défense. Aide-moi Fanzi, aide-moi à parler. Mal, hein. Aide-moi à parler. Aide-moi s'il te plaît. Alors là j'en ai rien à foutre. Je sais pas ce que tu voulais dire mais c'est pas grave. Défenseuse, voilà. Défenseuse des petites graines et des fruits secs. Des fruits secs. J'aime bien parce que du coup dans moi Open Doc ça parle juste de charcuterie et de pâtes. C'est rigolo. Pourquoi t'as un Open Doc? Parce que t'as dit des trucs rigolos. Mais bon c'est pas aussi fourni que mon Steven Pandoc bien entendu. Bah bien sûr. J'en ai que deux, c'est un peu de la merde. Défensatrice, absolument, Nocturaille. Je sens que... Berk. Je sens que... Tu es vif comme le canard. J'ai eu un mini... Miniature Yellow Heart.
Et je vous ai montré hier à quoi Il ça paraît servait. Que les défenseuses existent. Ouais. Défenseuses, d'accord. Donc, tu es défenseuse des petites graines et des fruits secs, voilà. Surtout des petites graines. Les petites graines, c'est la vie. Clairement. Hop. Qu'est-ce qu'il a à me suivre, lui? Qu'est-ce que t'as à me suivre? Donc ici, je vais remettre ça ici. Oh non, ça se connecte. Tu pourrais genre ne pas te connecter, s'il te plaît. Ce serait gentil. Le Yellow Heart, on met là. Ça, on met là. Ça aussi. Non, pas ça. Ça. Bon, voilà, on va pouvoir retourner miner cette fois. Je vais prendre de l'eau avec moi. Le drapeau Lariat, c'est pour le conserver. D'accord. Nember Dentifrice, merci Dromadaire. Quelle belle entrée tu fais là. Tu fais une fantastique entrée là, Dromadaire. La vie, c'est la vanille, je suis d'accord avec toi, Nocturai. Fais gaffe avec les liens Numa Chance, parce que s'il y avait Nightbot, il aurait pas été content. Et j'ai oublié les escaliers! Oh! Tant pis. On va creuser par là. Off! Énorme! Il n'y a pas besoin d'aller loin, hein. Encore? What? C'est quoi tout ce diamant? Il y en a là, 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 là. Oh, bonjour toi. Si. Attends, quand je mine avec le slime hammer, ça fait spawner des slimes? C'est bon à savoir ça, pour farmer des slime balls. Bon bah du coup, allons-y les amis, hein. C'est parti, let's go. Allons-y les amis. Nya 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 nya. Je ne sais pas quoi. Oh waouh, y'a de la dame. T'as quelque chose contre les jeux, c'est pas quoi. Honnêtement, oui. Y'a raciste. Absolument. Bon, c'est vrai que j'ai un peu augmenté les taux de génération de certains trucs, mais quand même, là, c'était quand même très chanceux. Parce que même dans mes tests, j'en avais pas autant. Non, mais on sait tous que tu triches. Bah oui, on t'a vu enlever le peaceful tout à l'heure, là. Tu de qui? Oh. Tout te calme, hein. Ce qui me perturbe, c'est que tu casses plusieurs blocs en même temps. C'est très étrange. Ah oui? C'est trop bien. Ah oui? Ton agrégateur de flux RSS. Oh! 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 Oh, slip! Regardez-moi ça! Un dense diamond ore. En gros, c'est comme si j'avais plusieurs ores en un seul. Du coup, j'en ai eu 3 d'un coup. Wouhou. Mesdames et messieurs. Est-ce que c'est cumulable avec... Dessous. Ah oui. Oh ouh. Fuck, je viens de brûler un diamant, mais je m'en fous, j'en ai tellement. Non, je déconne, je m'en fous pas. Période de pas me faire kamikaze bombé. Qui c'est qui envoie des messages? Pardon, c'est moi, je vais envoyer direct à O. Ok. C'est pas grave. Je suis sûr qu'ils adorent ça dans le chat. Ça fait quoi comme bruit les messages? Ouais, mais pas. Écoute, ça va faire. Désil ouais, pas trop non plus, pas trop non. Parce que je connais Ayaya, mais. Oui, ça fait TESU! D'accord. Il y a un truc qui veut à peu près tout et rien dire, si j'ai bien compris. Karenia! D'accord. Je vais faire comme si j'avais compris ce que t'avais dit. Je crois que c'est en référence à un animé, non? Et j'ai droppé un arc.
Rendez-moi tous ces minerais. Oh, je suis trop content. Oh oui. Rendez-moi toute cette lave. Oh, je suis trop content. Oh oui. Rendez-moi tout ce charbon. Oh, je suis trop content. Oh oui. Regardez-moi tout cette stone. Oh, je suis trop content. Oh oui. Quoi? Je sais pas, j'ai légèrement peur. C'est bon, ça passe. Ça fait effet. Ça fait effet. La drogue. La drogue. Non, faut que je dise ça parce qu'il y a des gens qui vont prendre ça au sérieux. Comme ça arrivait très souvent sur YouTube. Mais non, voyons. Voilà. Des sous, c'est le verbe être. Enfin, des. D'accord. Pas tout le temps en fait. Pas tout le temps en fait, voilà. Ah, c'est pour ça que j'ai pas osé parler tout à l'heure. Trop compliqué à expliquer, j'explique pas. D'accord. Merci. Merci pour cette explication. Oh, des enderfuckers. Come here, you fucker. You ender bitch. Et une ender pearl. Oh fuck, y'a un. Non. Voilà. Laisse-toi toi aussi. T'es vraiment beaucoup trop violent dans tes mots. Je vais partir et je vais aller faire un Don't Start Together. D'accord. Tout seul? Together tout seul, ouais. Bon. Ça a l'air assez cohérent. Qu'est-ce que c'est drôle? Tu sais ce qui est plus cohérent? Du grilled cheese. Non. Kim Jong-un. Il est plus cohérent. Bon, alors changeons de sujet très rapidement. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas Kim Jong-un? Mais t'es toi, là? Moi, c'est mon copain. Ah, d'accord, ok. Pourquoi t'as peur qu'il nous surveille? Bonjour. Mais il nous surveille, putain. C'est quoi déjà la balise pour faire. Enfin, genre pour afficher une date, c'est quoi le mieux? Enfin. Une date. Genre une date de poste ou un truc du genre. Parce que je sais pas, j'hésitais à mettre un EM, mais. Mais EM c'est la mise en forme. Ouais, mais. Ah non, attends, c'est quoi déjà? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, EM, c'est pas Unbounded machin? Non, EM c'est Emphasis. Ah, et c'est quoi déjà le Unbounded? Quoi? Unbounded. Quoi? Il y a un truc. Il y a un truc qui permet de faire un décalage un petit peu à gauche. Et qui permet de l'écrire un point en italique, je crois. Pose cette pipe. Tout à fait. Pose cette pipe, pas crack. C'est pas mal pour se présenter. D'accord. Je parle pas japonais en fait. C'est pas parce que je mange des nouilles japonaises et que j'ai des bonbons japonais et des trucs bizarres japonais que je parle japonais. Bon, en fait j'étais mis pour du diamant, mais voilà, Millie, mais en fait c'est chiant, donc je vais plutôt retourner faire des trucs intéressants parce que ça vous intéresse pas, je suppose. J'aime bien. Oui, non, mais enfin à petite dose quoi. Je regarde pas. Ah, d'accord, t'es un connard en fait. Carrément. Ouais, carrément. C'est quand même pas très nouveau. Carrément, Armand. Et complice, bon, ouais. Oh, ma pioche. Oh, j'ai. Quoi? Ah, d'accord. C'est bon. Paniquez pas. Pourquoi? Ah, je peux pas casser ça avec mon King Slime bidule. C'est bon, ça passe. Par hasard, est-ce que je pourrais pas. Oh, un arc. Je vais faire ça. Vous allez voir. Je vais optimiser mon temps et mon argent. Je vais appeler Cofidis. Cofidis. Made in China. Mais non, made in Japan, bitch. Oh, en slime. C'est rigolo. Enfin, c'est utile pour farmer les slime balls. J'ai emprunté pour farmer un peu d'andésite, que j'en utilise beaucoup et que j'en ai plus beaucoup. Watashi wa. Quoi? What? Pub gratuite, comment ça pub gratuite? Attention, si je fais de la pub, c'est un time out.
What? C'est quoi ton problème? Il a dit MDR à la fin. Ouais, j'ai vu, ouais. Voilà! Allez, on va monter. Watashi, c'est la première personne? Bah putain, c'est long! L'autre jour, j'ai appris comment dire fromage en japonais. Chiesu. Voilà. Un cookie? Ou s'il te plaît. Parfait, je le cherche. Du coup, je suis en train de me demander comment ça se dit en finnois. Du coup, je vais apprendre un mot. Rangtangrayon. What the fuck? Number. Oui. Raciste. Kureiji, c'est pas un parasite. La pub, ça veut dire je suis fou, mais je vois pas de pub en fait. Mais c'est pas grave. Donc j'en vois pas, c'est pas grave. Si j'en vois, c'est plus grave. Alors on va mettre les métaux ici. Ça c'est de l'andésite, c'est pas des métaux. Derp. Ce diamant, j'ai de quoi faire un query d'ailleurs, mais bon, j'en ai pas besoin pour le moment, donc je vais pas en faire et je vais pas en cobalt non plus. Ah, la blague, je suis désolé. Ça va là, et ça, ça va ici. C'est pas un G à Gozaimas? Alligator. Quoi, alligator? C'est pas alligator, c'est alligato. Ça parle japonais dans le chat, mais à un point. Un point fou. Bientôt, tu dois faire tes streams en japonais. Absolument. Putain, j'avais laissé mes sticks ici. Mes sticks ici. Hop. COFI. Ah, Cofidis. Ouais. Cofidis. Mais je fais pas de la pub. Ils m'ont pas du tout payé. C'est clair. Oh, wow, wow. Il y a un peu trop de creepers à mon goût. Je me casse. Cornichon. C'est bon, les cornichons? L'autre jour, j'ai mangé quasiment tout un pot, à moi tout seul. C'était au premier de l'an, je m'ennuyais et du coup j'ai mangé des cornichons. Waouh! Très palpitante, je trouve. Merci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Moi, je suis intéressé. Bon, on va faire une turtle. Mindo! Ah non, attends, j'hésite en fait. Daitsuki Steven. Oui! Non, je sais pas ce que ça veut dire. Mais oui, c'est clair. On voit bien les relativismes. Les relativismes. Il faut du bouet. Allez, on fait une torte. Microsoft, ils font chier. Ils ont pas d'image dans la RSS. Mais pourquoi tu veux faire ça? C'est un projet. Steven Senpai, c'est moi. Enfin, c'est les profs qui ont voulu qu'on fasse ça. J'ai même pas de mute pour toutes les conneries. Ça va. J'y mute pas pour quelqu'un qui dit des trucs pas très sensés, sinon je devrais me muter. N'est-ce pas, Fandy? Hein? Je sais pas, j'ai entendu le nom. J'ai dit. Non. Je. Ah, j'ai oublié ce que je dis. Voilà, c'est ça que je disais. Très bien. J'ai dit je time out pas pour quelqu'un qui dit des trucs pas très sensés, sinon je devrais me time out. Ah oui, oh oui. Alors Steven, ouais. Latawa Baka Desu. Je connais Baka par contre. Des. Ok, non c'est pourri. Popopopo, d'accord. Mais vous m'intimidez à parler pas français là. Je vais vous taper.
tout un pays. Allez, on va écrire un programme pour cette turtle. D'accord, voilà l'autre qui s'y met. Coucou. Je demande si... Non. Non, parce que je sais que le pétrole, ça peut s'enflammer. Je me demandais si un squelette qui prend feu dans le pétrole pouvait enflammer le pétrole. Mais j'ai oublié que en fait, j'ai désactivé la flammabilité du pétrole. Hop, allez, on va... Comment on va appeler cette tortue mineuse? Allez, belle cette mine. Voilà, parce qu'elle va être dans les mines et elle va creuser. La pauvre. Elle va jamais voir le jour de sa vie. Tristesse. Ouais. Alors, refuel all. Genre, c'est le moment où il y a des gens qui commencent à dire je comprends plus rien. Bon, tout ce que je fais, c'est... Je crois que va pas trop vite, je veux dire qu'il se sent pas bien parce qu'il a une gastro. Mais je devine un peu par transparence parce que l'allemand et moi, ça fait 12. T'as la chiasse? Ouais. En gros, c'est un peu ça. C'est grosso modo, quoi. Grosso merdo, je dirais même. Qu'est-ce que tu es drôle. Ah oui, je suis drôle. Bon, ça suffira avec le fuel comme ça. Donc ensuite, en fait, pour l'instant, je vais juste m'en servir pour creuser rapidement l'obsidienne. Je vais pas pour le moment faire le programme pour miner. On verra ça plus tard, dans un autre stream ou dans une autre vie. C'est beau ce que je dis. Ouais, moi je vais dans une autre vie parce que c'est bien. Oh. C'est très précis comme date, donc j'aime bien. Tu n'es pas un chat, tu n'as pas 9 vies. Je suis un chat, etc. Nope. CF des choses. C'est privé. Nope. Nope, nope. Donc, en fait, la raison pour laquelle je me sers d'une tortue pour miner le l'obsidienne, c'est que elle le fait instantanément. Voilà. Turtle.dig, turtle.forward. J'ai plus qu'à refaire ça. Ok, donc là je suis arrivé au bout. Du coup, faut que je récupère 100 caisses drop dans la lave. Ce serait très dommage après tant d'efforts et de réconfort. Turtle.dig, donc qui permet de casser le bloc devant la tortue, et turtle.forward qui permet de faire avancer la tortue vers l'avant. Et on répète ça. Oui, je parle anglais. Oups, elle est arrivée. Ah non, t'en vas pas, tortue. On va creuser encore un petit peu pour faire de l'allumite. Et après, ça sera suffisant pour mes besoins actuels en obsidienne. Ok, voilà pour ça. Ça nous fait 13 obsidiennes. Ouais, allez, une de plus. Oups. Voilà. Ah, c'est parfait.
Donc, ce qu'on va faire, on va faire un portail, on va aller dans le nether, on va récupérer de d'abord, on va faire de la lumite, ensuite, on va récupérer du. Oh la vache, tout ce qu'il y a ici. On va récupérer du cobalt et de l'ardite. Et on va faire du magnoline. Et puis, ça sera à peu près tout pour aujourd'hui, je pense. Et on va essayer de se faire une. Commencer à faire notre super pioche. On complétera au fur et à mesure. Et d'ici le prochain stream aussi, j'essaierai de d'aller miner un petit peu également. Si. Oh. Ah, j'ai plus de bouffe. Elle triche. Ouais, va vraiment falloir essayer de fixer la situation en bouffe. Peut-être une fois que j'aurai du soja, on pourra le faire de façon renouvelable. Les sushis, je veux dire. Et assez rapidement, on va essayer de travailler à faire muter des graines pour avoir toutes les graines qu'on veut. Enfin, que je veux. Pépé courir. C'est trop triste. Hop, ça va là. Ça va ici. Hop. Ça c'est de la merde, ça va là. Ça va là-haut. Ok, allez, on se fait un petit portail. Non, pas encore, de la limite d'abord. Donc faut que je garde 10 obsidiennes pour le portail. Hop. Alors, à limite, comment on fait ça déjà? Non, de la bouffe d'abord. Ouais, fuck it, on va faire du pain. J'ai la flemme de crafter des trucs. Vodka, si. Oh, lag, super lag. C'est bon, t'arrêtes le lag là? Ultra lag, giga lag. Giga lag, absolument. Ou lag. Bon app, Skrider. Bon appétit. Alors, à limite, comment on fait ça déjà? Ah non, déjà il me faut faire de l'alu en brasse, donc 3 alu, 1 copper. Un copper, 3 alu. On va mettre ça à fondre. Ensuite, l'alu en brasse, donc c'est. Pardon, l'alumite, 5 alu, 2 iron, 2 obsidian, ok. 5 alu, 2 obsidian et 2 iron. Peut-être 4 obsidiennes. Je sais pas si ça double l'obsidienne quand on met dedans, parce que ça double les métaux, mais je sais pas si ça double l'obsidienne aussi. Donc on va essayer ça. On verra bien. Pour ce temps-là, on va se faire un briquet. Et si c'est bon, ouais. Donc pour la pioche, il nous faut ça. Tiens, je commence à avoir faim. Ça et. Mince, ça, voilà. On va faire les moules. On va faire les moules. J'en ai 8. Ah, fuck. Bon, tant pis. Je garderai ça dedans et puis je ferai plus tard hein, tous les autres moules, genre entre les streams parce que c'est un peu chiant. Oh, quoique je peux faire les. What? Oh, je peux pas faire avec. D'accord. Il faut absolument que ce soit un truc pas inflammable, on dirait. Hop. Je pouvais pas mouler du bois en fait. C'était assez étonnant. Voilà. Sur ce qu'on appelle la dynamique des spores, mais oui. Absolument. Et pendant ce temps-là, je vais mettre ça à chauffer.
Donc on va faire. Il nous reste combien? 5 normalement? Ouais, 5. Faire ça, 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 ça. Et le tough tool rod. Le temps que ça fonde. Hop, la hache, ensuite la pelle et la white guard. Enfin, je crois. Ah non, le white guard, j'ai déjà fait. C'est quoi qui manque alors? Rien. Si, il manque un truc. Alors, voyons voir. Ça, j'ai, ça, j'ai. La pelle, j'ai, ça, j'ai, ça, j'ai. What? Il manque rien du tout. Ah si, j'ai dit le tough tool rod, voilà, que je faisais en plus. Ok. What? Ok, j'ai cru qu'il m'en restait plus. Pour que nous puissions avoir la congolaise climatisation des lois du marché propre au Congolais, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. On voit bien le relativisme. Hop, on va mettre ça à la poubelle. Steven. Oui. Est-ce que je peux te poser une question à propos d'une sécurité de base de données? Enfin, je sais pas si je saurais répondre, mais vas-y. Ouais, non, mais enfin, je pense que si, mais c'est juste pour te demander ce que tu penses pour toi est le mieux. En fait, le truc là, c'est que j'ai donc ma base de données, et en gros, ce que je fais, c'est que je récupère un flux, et donc j'ai sa date. Et à chaque fois que je récupère le flux, je regarde la date de mise à jour de ce flux et je vérifie si elle est supérieure à ce que j'ai en base de données. Et si c'est supérieur en base de données, en gros, je réinsère toutes les nouvelles concernant ce flux dans ma base de données. Et du coup, le truc, c'est que, enfin, normalement ça fonctionne, mais je me dis qu'il faudra peut-être que je vérifie aussi pour chaque nouvelle si elle n'est pas déjà présente dans la base de données ou pas. Oui, je sais. Bon, on en reparle après si tu veux, parce que je suis pas sûr d'avoir tout suivi là. Ouais, je verrai d'ailleurs, merci. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, je vous laisse deviner ce que je suis en train de faire. C'est pas facile à deviner. Hein. Elle est trop chou ta bibliothèque. T'as vu? Oui. Allez. C'est les 4 de Tinker. Ah oui, j'ai ajouté un mode qui s'appelle Lost Books. Et à chaque fois que je tue un mob, j'ai une petite chance qu'il drop un livre. Et t'as certains livres qui sont uniques et tout. Et du coup, voilà, c'est pour avoir et une collection de ça, livres. Ça, on l'avait déjà sur le serveur modé, non? Ouais. Ouais. On l'avait déjà, ouais. Oui, c'est pas nouveau. Ouais, mais enfin, je parlais pas qu'à toi, je parlais. Ouais, tous les mais jours. Tu l'avais pas fait, enfin, tu t'avais oublié hier dans ton live, je veux dire. Oui. Enfin, moi j'ai regardé que la rediff, je sais pas quelle partie. Mais genre la partie où tu parles de la bouffe, tout ça, c'est trop bien. De la bouffe, ça devait être la deuxième partie, parce qu'après la première partie on parlait de l'affaire, etc. De Charlie Hebdo et tout. Ah, oui, d'accord. Et il y en a combien à peu près des éléments de nourriture par table? Pas énormément. Ouais, je sais. je sais pas te dire, mais c'est énorme. Il faudrait compter dans NEI, mais je sais pas exactement combien il y en a. Et d'ailleurs, le mode là qui fait miner les veines plus vite, ouais, il vein fonctionne miner. Qu'avec. Ouais. Il fonctionne qu'avec les matériaux. Enfin, il fonctionne pas avec la cobblestone et les trucs du genre. Si tu le configures, si. D'accord. Tu comptes pas refaire un build modé avec ce pack en fait, si. En fait, le problème c'est que j'ai. Enfin. Il y a pas mal de redouliens, par exemple bah, Fuse, qui font des séries modées mais qui préfèrent jouer sur des packs de mode moins light avec des modes sans forcément prise de tête. Enfin, c'est pas que ce pack est prise de tête, mais il va être plus compliqué que le pack avec lequel joue Fuse en ce moment par exemple. Ouais, par exemple. À cause justement du clonage et tout pour les légumes, enfin les... Ouais, voilà. Enfin, pas clonage, mais...
Ouais, je sais plus. Mutation. Mutation, voilà. Cause des mutations, enfin, ouais, c'est intéressant. C'est le genre de choses que j'ai rajouté qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. Et si on faisait un pack de mods, il faudrait vraiment que ça plaise à tout le monde. Enfin, pour Redwood, j'entends. Mais après, rien n'empêche, je vais ouvrir un petit serveur à côté pour vraiment ceux qui veulent jouer avec ce pack de mods. Mais le problème des serveurs, c'est que dès qu'il y a des mods, on peut rapidement avoir des situations avec beaucoup de lag et tout. Donc, bah, c'est. Ouais, enfin voilà. Donc, à voir s'il y en a qui sont intéressés. Mais. Bah après, s'ils veulent. Moi, je veux bien, mais pas tout de suite. Hein. Ouais, voilà, après, faut voir les questions de temps et tout. Mais après, bon, les reviews, je peux leur passer. Enfin, dans un contexte privé, je peux distribuer mon pack, mais je peux pas distribuer le pack en public, quoi. Bon, combien j'ai? 6 Ardite et 11 Cobalt, ça sera suffisant. Peut-être un ou deux Ardite en plus, si je pouvais en trouver, ça serait pas mal. Et là, j'en trouve pas. Pas que je me perds déjà parce que j'ai pas de carte et je sais pas comment fonctionne Antique Atlas dans le Nether d'ailleurs, j'ai jamais essayé. Parce que bon, je suis déjà tombé une fois dans la lave aujourd'hui, je crois pas que ça arrive une deuxième fois. T'as fait ça toi? Oh. Ouais, non, jamais. Moi je suis pas aussi derp que ça. Heureusement que non. Ce serait dommage sinon. Hein. Ah ouais, franchement. Ok, bon, ça suffira pour l'XP. L'XP. Un truc comme ça, j'ai récupéré un petit peu de glowstone. Ah bah tiens, attends, il y a un peu d'ardite, je vais aller récupérer. Fuck. C'est bon. Ben, niveau performance, oui, je pense que c'est envisageable de faire un serveur avec, mais c'est niveau goût pour les mods et tout, parce qu'il y aura pas tous les mods qui sont un peu hype en ce moment, type Ender.io, truc comme ça. Il y aura pas Manufacturing Reloaded, il y aura pas ce genre de choses, et c'est le genre de changement qui peut ne pas plaire aux gens. Mais bon, après, s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent me dire, enfin, s'il y a assez de personnes qui sont intéressées par ça, bon, c'est tout à fait envisageable. Mais en tout cas, pour le stream, moi je continuerai sur du solo. Enfin, la plupart du temps, du moins. À cause des problèmes de lag dus à l'upload en continu. Hop, hop, hop. Whoopidou! Tout à fait. Voilà! Allez, on va retourner dans l'Overworld et on va terminer le stream en faisant quelques outils en manioline et des trucs comme ça. Cobalt, je pense. Manioline ou cobalt? Non, manioline. Parce qu'en fait, j'ai changé pour avoir 4 lingots de manioline au lieu de un seul quand on fait fondre 2 et 2 cobalt et ardite. Oui, cobalt et ardite. Bon, je vais faire ça pour l'instant. Je vais mettre ça là-bas. Allez, je vais ranger un peu mon inventaire et on s'y met. Tac, tac, tac. Alors, je pense que pour mes pioches, je vais faire tout en manioline. Sauf le toolbinding qui sera en papier pour pouvoir ajouter un modifier dessus. Donc, est-ce que j'ai du papier ici? J'ai pas de quoi faire de papier. Et le soleil se couche, super. C'est le menoir. Quoi? Ah, c'est la menoir. Absolument. C'est la menoir. Une tête en cobalt et le stick en ardite est plus opti. En quoi c'est plus opti? Pour la vitesse et tout? Je vais attendre que tu répondes pour prendre la décision. Pas assez de papier. Bon, je vais prendre ces deux-là, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ce que je m'étais dit, c'était vitesse, durabilité. Ah, durabilité aussi? Parce que
Bah, j'ai regardé dans le bouquin, mais parce que je crois que l'Ardite, pardon, le Bagnolier n'a plus de durabilité que l'Ardite et que le Cobalt. 1200 pour Magnoline, 800 pour Cobalt. Ardite, attends, tu m'as dit Ardite, ouais. 500 pour l'Ardite. Ah oui, Handle Modifier 2 fois pour la pour l'Ardite, enfin fois 2. Mais c'est quand même 2,5 pour le Magnoline. Le non, l'Ardite n'a pas grande durabilité, c'est que 500 par rapport aux 1200 du Magnoline. Et après niveau vitesse 9 ouais, 14 pour le cobalt. En fait je pense que je ferai le mon marteau en, avec la tête en cobalt. Mais pour la pioche, je suis pas trop inquiet de la vitesse. Parce que comme j'ai Vein Miner, je mine à peu près 3 fois plus vite déjà que la vitesse de base. Donc je pense que je vais quand même aller pour le tout Magnoline. Et en plus de toute façon je peux faire du Magnoline Elle beaucoup est plus pour. facilement. Oui. Désolé. Par exemple, là j'ai 32 lingots de Magnoline avec seulement 4 Ardite et 4 Cobalt. Donc vous voyez que je ne serai pas du tout short en Magnoline. Je vais quand même faire le toolbinding, enfin les toolbinding en papier. J'allais dire faire, je sais pas pourquoi. Alors. C'est ça que je veux? Ouais, c'est ça. J'ai dit allez pour, c'est un anglicisme pour ceux qui l'ont noté. Fandy l'a noté, je sais pas si vous avez entendu. Je suis désolé. C'est pas bien grave. C'est juste rigolo. Ensuite, des tool rods, je vais en prendre 4. Hop. Il me faudra ça ensuite. Ah non, je l'ai déjà là-bas. 1, 2 et 3 et 4. C'est parfait. Ensuite, il me faut alors un toolbinding et un whiteguard pour l'épée. Voilà, il me reste un truc de papier. Là pour la pioche. Ouais, pour l'épée. La pelle. Et la hache. Ok. Du coup, je peux aller mettre à la retraite mes outils en fer. Je les ferai peut-être fondre pour récupérer leurs matériaux. Bon, quoique je suis pas très short en fer, même pas du tout. Alors après niveau modifieur, hop, il me reste combien? 26, ouais, je suis large en manuline. Niveau modifieur, je vais mettre, je vais pas mettre auto-repair. Je pense que je mettrais plutôt des. Alors attendez, il faut que je vérifie si je peux le faire, mettre des batteries de RF. Je crois que c'est ça qui permet de le faire. Oui, le chat est calme, oui. Mais c'est normal, il y a moins de gens. Mais en même temps, il est assez tard. C'est l'heure où les gens généralement commencent à aller manger ou des trucs comme ça. Alors. Ok, ouais, donc je peux mettre des batteries de mince de Thermo Expansion, voilà, pour le rendre rechargeable. Donc je vais pas m'embêter avec l'auto-repair, le vous savez, avec la mousse là. Je vais pas m'embêter avec ça. Je vais mettre uniquement, je vais mettre beaucoup de lapis. Qu'est-ce que je vais mettre? Ah oui, il me faudrait une émeraude aussi. Parce que ça va multiplier par 2. Un truc comme ça, là. Non, pas 2, mais grosso modo 2.
Non, 1,5. Et comme j'ai une montagne là-bas, bah j'irai prendre là-bas. Hop. Oh, genre. Ils sont sympas les blocs des manulines. Hop. Donc ça va me donner l'effet fortune, grosso modo. Il faut 450 à plus tout le bus, à plus Kixmo. Il me faut 450 tapis au total pour arriver au niveau maximum. Voilà, donc je suis à 252. Après, je vais prendre ça pour l'épée. J'irai en miner un peu plus tard. Pour en rajouter un petit peu. Poup! Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Ok. C'est 72 pour un. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, qu'est-ce que je suis con! Je viens de gaspiller un modifieur et de gaspiller du de l'émeraude de l'émeraude non, quoi. Du bon on va jeter cette pioche à la poubelle. Ah mais quand même 232 ouais c'est pas grave. De toute façon je trouve beaucoup de trucs. Je pourrais quand même m'en servir pour miner avec fortune. Non je peux pas contrôler Z malheureusement. Je pourrais quand même miner avec fortune pour avoir plus de lapis, donc j'irai rechercher du lapis et je ferai une autre pioche. C'est pas bien grave, de toute façon j'ai plein de manulines comme vous avez vu derrière moi. C'est quoi? On va refaire tout de suite la pioche. Non. Ça et ça. Ah là là, qu'est-ce que je suis bête. Et le papier, je l'ai mis là-bas, non? Non, je peux pas vider les modifieurs, c'est pas possible. Ah, il faut bien que je fasse au moins une corne par stream. Enfin, ça fait deux aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Ça, Oui. t'as de l'avance, c'est bien. Ouais, comme ça fait mon quota du prochain stream. Mais du coup, t'as pas intérêt à en faire une la prochaine fois. Oui, en effet. Mais bon, c'est pas grave, je retournerai miner, j'ai plein de maguignolines. C'est pas grave. Voilà, combien de dégâts fait cette épée? 5,5 coeurs, ok. Encore 3 modifieurs, donc je peux monter encore beaucoup en quartz. Et je peux avoir du quartz en grande quantité grâce à cette pioche. Ok, donc je vais ranger ça. J'irai miner plus tard. Ça fera que je les améliore avec de la redstone ensuite. Pour pouvoir. Tiens, d'ailleurs, est-ce que cette hache va fonctionner sur le bois avec Veinminer? Ouais, cool. Mais bon, je ferai aussi la Uber Hache qui me permet de couper tout un arbre à la fois. Une fois que. Enfin, plus tard. Quand j'en aurai besoin. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Deux GG en un après, ouais. Sur ce, il commence à se faire tard, donc ce que je vais faire, c'est que d'ici le prochain stream, je vais aller miner. Je vais. Est-ce que je peux cacher ça? Ouais. Là, je vais aller miner, je vais cuire tous les métaux, je vais améliorer un peu les coffres pour qu'ils soient. Pour que ce soit tous en fer au moins. Parce que là, j'ai plus beaucoup de place. Qu'est-ce que je ferai d'autre? Ouais, bah je vais faire cuire tout ça. Et donc au prochain stream, on devrait être prêt pour. Oh non! Oh, zut. J'ai foiré. J'ai foiré.
Parce que du coup, oh merde. Bon, faut que je fasse cuire du manuel en plus. Oups, oups, voilà. Donc pour que au prochain stream on soit prêt à commencer le système d'énergie. Donc on va commencer par utiliser le pétrole. On a assez de diamants pour faire une raffinerie et tout. Donc on va commencer avec le pétrole qu'on transformera en fuel. Ça nous donnera une bonne base pour l'énergie. Et voilà, donc par la suite, beaucoup plus tard, on aura après un système avec Railcraft pour avoir de la steam. De la vapeur, voilà. Ce qui est beaucoup plus renouvelable. Et on commencera peut-être également... oui, 3 GG. Bon, ça va, c'était un petit GG. Et on commencera peut-être également avec les mutations des plantes pour avoir de meilleures graines. Ce que je voudrais avoir assez tôt, c'est du tofu, enfin du soja. Ça me permettra d'avoir de remplacer toute la viande et donc de pouvoir rendre complètement automatisé une grande partie de la production. De pouvoir avoir des super cheeseburgers automatisés. Des cheeseburgers de soja, oui, c'est un peu de l'hérétisme. Oh. Oh. Voilà. Donc bah merci à tous ceux qui ont regardé. La vidéo, enfin la rediffusion sera sur YouTube. Et bah, on se retrouve à bientôt pour un autre stream et sur YouTube du coup. Oui, que 15 joueurs. Oui, bah les gens partent un peu. Il est un peu tard l'après-midi. 18h, 18h30, c'est pas du tout l'heure de pointe pour les streams et tout. Voilà. À plus.